Ben, bonjour les amis, ici Casamania, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre série du samedi matin, à savoir la Select Free to Play. Vous connaissez le principe, je vous propose tous les samedis 5 jeux gratuits disponibles sur PC et jouables dès maintenant. N'hésitez pas à me dire à quoi vous jouez en ce moment, que ce soit en jeu gratuit ou non. De mon côté, je suis sur la bêta fermée de Bless Unleashed, qui devrait arriver sur PC en free to play dans quelques mois. On avait fait une soirée live hier soir, ça a été vraiment sympa. Encore merci à tous les participants. Je vous invite dès maintenant à rejoindre la chaîne Twitch, on se marre vraiment tous ensemble et les lives sont programmés tous les soirs du lundi au jeudi. Bref les amis, mettez-vous à l'aise, le week-end commence dès maintenant avec votre Select Free to Play PC numéro 178. On commence par un jeu assez étrange qui est passé sous le radar, c'est Seven Bones and Seven Stones. Seven Bones and Seven Stones est un nouveau jeu multijoueur asymétrique gratuit. Le soft vous plonge dans un univers médiéval fantastique dans lequel deux équipes vont s'affronter dans une sorte d'arène avec vue du dessus. Il y a une équipe composée de 4 villageois. Les villageois doivent s'entraider afin de réaliser un rituel permettant de fermer les portes des ténèbres qui envahissent leur village. De l'autre côté, il y a une équipe composée d'un seul joueur. Ce joueur joue le démon. Le démon a des pouvoirs surnaturels puissant et doit traquer et éliminer les villageois afin d'anéantir le monde grâce à ses portails démoniaques. Le concept est simple mais il est diablement efficace. Le titre propose constamment de l'action, on court partout, on ramasse des items, on combat, on se cache, bref, tout cela est bien intense. La vue du dessus, type MOBA, rajoute un charme au jeu. De plus, je trouve la direction artistique vraiment réussie. C'est beau, l'atmosphère est lourde, le côté médiéval fantastique oppressant est bien retranscrit. Si vous cherchez une expérience multijoueur nouvelle, quelque chose de différent, à la fois fun mais exigeant, je vous conseille d'essayer Seven Bones and Seven Stones. Vous pouvez télécharger Seven Bones and Seven Stones dès maintenant directement via Steam. On passe sur un MMORPG gratuit qui vient tout juste de pointer le bout de son nez sur Steam, c'est A Demon Online. Eudemon Online est un MMORPG fantasy qui vous demande d'élever des petits compagnons de combat appelés Eudemon. Oui, il y a un côté Pokémon, un côté Digimon assumé qui n'est pas déplaisant. Vous aurez le choix entre 7 classes pour créer votre personnage. On retrouve les grands classiques comme le mage, le nécroman ou le paladin par exemple. Une fois en jeu, vous commencerez à rencontrer des Eudemons. Ces petites bestioles sont à collectionner, il en existe plus de 200, il faudra les faire évoluer au fur et à mesure des heures de jeu pour les rendre de plus en plus puissantes. Le choix est vaste et varié, ce qui promet une bonne dose de fun et de découverte. L'interface est un peu simple, voire rebutante au début, mais la direction artistique qui propose un gameplay en 3D isométrique passe crème avec l'univers du jeu. Il faut faire l'effort de se plonger dans l'univers durant la première heure de jeu, de découvrir petit à petit les fonctionnalités du titre pour enfin savourer la découverte. Eudemon Online n'est pas bien lourd à télécharger et il ne demande pas une grosse configuration, il permet de s'occuper sans prise de tête en entendant quelque chose de mieux. Vous pouvez télécharger Eudemon Online dès maintenant via Steam. On passe maintenant sur le jeu navigateur de cette semaine avec Elvenar. Elvenar est un web game de gestion stratégie qui vous plonge dans un univers médiéval fantastique. Le but est de bâtir une cité prospère et de découvrir le monde qui vous entoure. Vous pourrez construire des centaines de bâtiments qui ont tous des fonctions uniques de production. Il faudra les upgrader de manière régulière afin d'agrandir toujours plus votre territoire. En parallèle des phases de city building gestion, vous pourrez vous lancer dans des phases d'exploration afin de débloquer de nouveaux savoirs, d'apprendre de nouvelles technologies et de ramasser de nombreuses ressources. Le jeu vous laisse libre de vos choix. Vous pouvez très bien bâtir une force militaire conséquente afin de rouler sur tout ce qui bouge ou vous concentrer sur l'économie et la diplomatie pour tourner les événements extérieurs à votre avantage. Le titre est plutôt beau pour un jeu sans téléchargement et il a ce petit charme qui peut faire penser à du Might and Magic. Bref, Elvenar est un très bon jeu de gestion en ligne gratuit et il est sans téléchargement. Vous pouvez y jouer n'importe où, quelle que soit votre machine, sans rien télécharger et ça c'est cool. Vous pouvez jouer à Elvenar directement via le site officiel. On passe maintenant sur quelque chose qui bouge beaucoup plus avec Sector's Edge. Sector's Edge est un FPS multijoueur en ligne qui propose un univers entièrement destructible. Le jeu est actuellement en accès anticipé, il peut exister quelques bugs et pas mal de choses peuvent être améliorées, mais les bases sont là et elles sont solides. Le soft vous plonge dans un univers futuriste dans lequel des robots humanoïdes combattent en équipe. On retrouve pour le moment 3 modes de jeu, avec le très populaire contrôle de territoire dans lequel votre équipe devra cumuler des points en défendant une zone. La sensation de toucher est pas mal, on se rapproche d'un CS avec la possibilité de strafer, des patterns de spray à connaître en fonction des armes et une précision modifiée suivant vos mouvements. Les armes sont futuristes, on passe du shotgun classique au fusil blaster sans oublier le sniper à énergie.
Si les sensations de toucher sont vraiment pas mal, la possibilité de détruire et de reconstruire les maps ajoute du fun au jeu. Effectivement, vous pouvez creuser l'environnement afin de vous déplacer en mode furtif ou tout simplement faire des pièges à vos ennemis. A l'inverse, si vous avez assez de blocs en poche, vous pourrez construire de nombreuses infrastructures, que ce soit pour la défense, l'attaque ou tout simplement pour atteindre des lieux difficiles d'accès. Tout cela réuni rend les games vraiment vivantes et toujours différentes. Le soft est encore un peu moche, qu'on se le dise, les modèles sont pas top, mais comme je vous le disais au début, les bases sont là, et le soft ne demande qu'à se bonifier. Si vous aimez les FPS compétitifs avec un esprit Minecraft, je vous le conseille fortement. Vous pouvez jouer à Sector's Edge dès maintenant passant par Steam. Je termine cette sélection par un MMORPG gratuit que vous connaissez sans doute, c'est Neverwinter. Neverwinter est un MMORPG Heroic Fantasy gratuit de la licence Donjons et Dragons. Le jeu tourne depuis plus de 7 ans et personnellement, j'accroche beaucoup à l'univers qui respecte la plus pure tradition du jeu de rôle. Le lore est complet, les choix des races et des classes aussi, l'univers est vaste et chaque lieu a une histoire. Je vous en reparle aujourd'hui car j'ai relancé ce jeu il y a peu de temps et j'étais très agréablement surpris de voir encore autant de monde peupler les serveurs en soirée. Le fait qu'il soit jouable sur PC, Xbox et PS4 doit jouer en sa faveur. Neverwinter reçoit des mises à jour régulières, il y a des événements saisonniers et comme tout bon MMORPG, vous aurez de quoi vous occuper avec au programme de l'exploration, une quête histoire bien longue, du craft, des donjons, des raids, du PVE au niveau, du PVP compétitif, etc. Le soft opte pour un système de combat action hybride, malgré son côté un peu old school, il n'y a pas de tap targeting à l'ancienne à proprement parler. On cible avec la souris comme sur un TPS et on balance les sorts tout en restant en mouvement, tout ceci rend les combats plus vivants. Alors oui, le jeu a 7 ans, il a un peu vieilli d'un point de vue graphique, mais sa profondeur et tout le contenu qu'il propose va vite vous faire oublier ce détail. Le titre est disponible sur Steam, mais je vous déconseille de passer par cette plateforme car j'ai souvent eu des problèmes de mise à jour du launcher en passant par là. Préférez le launcher Arc dédié que vous retrouvez sur le site officiel. Si comme moi vous êtes en manque de MMO, que vous avez envie de rejoindre un monde vivant et peuplé, vous pouvez jouer à Neverwinter gratuitement et ce, dès maintenant, en passant par le site officiel. Voilà les amis, c'était ma sélection Free to Play PC numéro 178, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous partager vos jeux du moment. Merci d'avance pour vos pouces bleus, partages et abonnements, ça aide. Vous retrouverez tous les jeux suscités en description de la vidéo ainsi que les liens importants, tels les réseaux sociaux, Bon Plan et Instant Gaming, partenaires de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassés. Les amis, prenez soin de vous, amusez-vous bien sur vos jeux préférés, je vous retrouve très vite en vidéo et en live. Paix et félicité, c'était Kaz.